Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 4. Énorme journée pour moi aujourd'hui. Vous avez pu le voir, je me suis levée tôt. Je me suis directement maquillée, préparée. Là j'ai un sweat et un jogging. Puisqu'aujourd'hui je shoote toute la journée avec Stradivarius. Donc vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, faites-le en cliquant juste ici. Je travaille avec Stradivarius depuis quelques mois maintenant. C'était une collaboration que j'avais signée avec eux sur le long terme. Donc il se passe encore quelques petites choses avec eux. Donc aujourd'hui ils viennent toute la journée à Lyon pour moi, pour shooter, puisque c'est ce qu'on avait déjà fait à Paris il y a quelques mois. Et là on le refait à Lyon, donc c'est super cool parce que ça m'évite d'avoir à monter à Paris. Ils ont shooté avec Noëlita à Paris il y a 2 jours et aujourd'hui donc Lyon avec moi. La journée va être très longue puisqu'en fait on va aller dans plein d'endroits à Lyon, on va se changer à chaque fois qu'on doit shooter une nouvelle tenue. Ce qui semble logique, Marie, tu n'es pas très bien réveillée. Je vous mettrai d'ailleurs l'autre vlog que j'avais fait shooting avec eux ici dans le petit i. Cliquez si jamais vous avez envie d'aller le voir. Donc voilà, grosse journée en perspective. Ce matin, Karine, donc mon agent, sera avec moi. Cet après-midi, ce sera Marine, donc ma... J'arrive pas à dire ma manager, mais ma belle-mère, voilà, que vous voyez souvent dans les vlogs, qui sera avec moi. Henri, aujourd'hui, reste à la maison parce qu'il a du travail. Et je prends Jelly puisqu'il voulait que je shoote avec elle, donc... Voilà, grosse journée en perspective, et ben je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, on vient d'arriver avec les équipes Stradi qui viennent de Madrid exprès pour l'occasion. Et là on est dans un van avec Jelly qui est en souche, avec Karine. Et donc on va shooter 10 tenues minimum à tourner. Enfin à shooter aujourd'hui. Ça va être... D'abord on va shooter dans un bouchon lyonnais. Pardon. Ok, on recommence. Pardon. Alors oui, donc le bouchon Daniel et Denis Saint-Jean. Il y a une petite place avant, je ne sais pas comment elle se nomme cette petite place. Et ben en fait devant. On a terminé de shooter chez Daniel et Denise pour les gens qui n'habitent pas à Lyon, même pour les Lyonnais. En gros, nous on a les bouchons à Lyon, c'est des restaurants assez typiques d'ici. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Daniel et Denise qui est assez incroyable, il faut absolument que vous le fassiez. Et c'est là-dedans qu'on a shooté les photos. Et donc là, je viens de me rechanger avec ce nouveau look. Et le Fedora, comme d'hab, j'aime trop en fait. J'ai jamais l'habitude d'en mettre, mais je devrais parce que franchement, je trouve ça super joli et je trouve que ça change. Et donc là, on va retourner dans le van. JJ est toujours avec moi, elle a shooté. Et on va aller dans un autre endroit pour shooter une autre tenue, puisque comme je vous disais, aujourd'hui on va en shooter 10 minimum. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'en faire autant qu'on peut pour rentabiliser la journée. Donc là, on est dans le Vieux Lyon. C'est trop cool. Je suis vraiment trop contente de pouvoir shooter dans ma propre ville. Je trouve ça tellement tellement cool parce que c'est des endroits que je connais, que j'ai l'habitude de fréquenter et c'est trop bien. D'ailleurs là j'avance toute seule mais l'équipe est toujours là-bas et genre j'ai avancé pour rien. Je pensais qu'ils me suivaient mais pas du tout. Yes. Bon bah moi je fais une pause pour me repréparer et JJ. Okay, coucou ouais. Ma puce. Merci monsieur. Genre c'est notre associé du jour en fait. Elle travaille plus que moi. Ouais, clairement. La femme à la santé média. Ah, ma puce. Ah, oui. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fout? Je me change. Ah, ouais, on dirait pas. Hein. Ouais, je sais pas ce que je fais. Which coupe la cam. Bye.
quelle tenue on en est là? La cinquième. Cinquième. On est sur les quais, près de Saint-Paul. Et là, du coup, on a fini de shooter la cinquième. Donc je crois que maintenant, on va aller dans un Airbnb pour aller shooter les tenues plutôt d'intérieur dans un décor de Noël. C'est cool parce que franchement, là, on commence à avoir faim. Et surtout, il fait super froid. Donc c'est trop bien. Mais il fait un peu froid. Je vais avoir besoin de beaucoup de café aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, je sais pas. De toute façon, je me change dans le van, alors regardez ça. Ça, c'est pas trop cool. Oh, mais regardez qui j'ai trouvé. Coucou JJ. Toi, tu restes au chaud parce qu'il fait froid dehors. Hein. Bon, ça y est, nouvelle tenue finie. J'adore ce bonnet. J'aime bien le vert comme ça. Je trouve qu'avec les cheveux, ça se détache vachement. C'est assez joli. Et la superposition, puisqu'en fait, là, j'ai un pull turtleneck. J'ai un autre pull vert comme ça. Et j'ai la chemise un peu bleue. Mais en fait, elle est vert d'eau plutôt par-dessus. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment des tenues que j'ai pas l'habitude de porter. Et c'est aussi ça que j'aime bien avec. Cette collab, c'est que ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi qui mets essentiellement du noir tout le temps, ça me permet aussi de voir que voilà, il y a d'autres couleurs aussi qui peuvent le faire. Et cette couleur là, je trouve ça vraiment vraiment trop joli. Donc du coup là, on a terminé les shoots pour le moment à l'extérieur. On va recommencer un peu ce soir. Et là, on va se remettre dans le van pour shooter du coup au Airbnb avec le... Non, c'est bon, vous pouvez venir hein. Avec le décor un peu plus Noël et il fait trop beau. Et tu es ma copine toi. On l'a réveillée de sa sieste là. Elle est un peu là genre les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez faire moins de bruit dans mon van, s'il vous plaît. Jelly, où est-ce qu'on va maintenant? On va aller. Ouais, dis pas ça, mon dieu, dites pas ça. Mais dites pas ça, surtout pas. Pauline, c'était la mauvaise idée, genre regarde. La moto, là. Quoi? Quoi? C'est l'heure. On vient d'arriver dans le Airbnb qui est juste incroyable. Et il a été décoré pour l'occasion du shooting sur le thème de Noël. Donc là déjà dans la chambre on a un sapin, mais je vais vous montrer l'appartement et le Airbnb. Donc ici on a dans la chambre les tenues qui sont ici dans les valises et tout pour les shooter. Mais je vais vous montrer la déco de cet appart, c'est un truc de fou. Tu les sèches? Mais en cours c'est pas dans deux ans. Regardez ça, c'est ouf. C'est incroyable. Oui. Je t'ai dit arrêtez, mais ouais. Trop beau. On a sacré un peu de paroi. Ouais. Regardez le big sapin. Trop beau. Ça va, Jelly? Trop beau. C'est vous êtes en direction de Ça va Jelly, t'es pas trop fatiguée là? Jelly. Jelly. Elle peut même pas lever la tête, tu sais, genre elle se traîne. Il y a un seul truc qui fait qu'elle pourrait lever la tête. Thank you.
Non. I know that the biscuits were going to be the center of the production. Vale. Ah bah c'est foutu. Il a mangé des gaulets en 15 secondes. Là, l'idée c'est que je monte les escaliers en mode vite chouchou, j'ai des cadeaux. J'en peux plus d'un. Impeccable. Là on est au top. Non, non. Petit update, on a presque terminé tout le shooting. Là, on fait encore quelques tenues ici. Enfin, là, c'est la dernière. Ensuite, on va faire une tenue dehors. Je dois faire aussi une interview filmée. Donc, bref, la journée n'est pas terminée. On y croit, c'est une petite finition. Pour le concours d'aujourd'hui, je vous propose de gagner cette brosse chauffante de la marque Daphne, qui est hyper hyper cool. Moi j'avais vu plein de revues, mais bon, c'est juste que j'en ai pas l'utilité personnellement. Donc il y a une brosse qui vous permet de faire des brushings et qui est juste ouf. Genre si vous avez déjà vu des revues là-dessus, elle est juste incroyable et en plus elle coûte assez cher. Donc pour tenter de gagner cette brosse pour faire des brushings de la marque Daphne, je vous invite donc à liker ce vlog, laisser un commentaire, à remplir le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos et bien évidemment à être abonné à ma chaîne YouTube. Et voilà, vous pouvez participer pendant 24 heures et puis on se retrouve demain pour un nouveau concours. Hein, Nova ? Bon, je viens de rentrer à la maison, il est 19h, donc là je vais juste aller prendre ma douche et manger et aller dormir parce que c'était une très grosse journée, je suis vraiment fatiguée. Mais c'était vraiment très cool parce qu'on a réussi à shooter beaucoup de looks en peu de temps. Donc c'était une journée hyper, hyper chouette, de toute façon vous verrez les looks bientôt je pense sur Instagram. Et voilà, donc trop cool. Du coup je vais terminer le vlog maintenant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir les deux derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne de vlogs pour pouvoir participer à tous les concours qu'il y a donc tous les jours à 16h sur ma chaîne de vlogs. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.